Oui, c'est la guerre. Tous les jours, on survit, on vit. Gros défaut d'organisation, c'est ouvert, toute la place est ouverte, mais ils ont laissé des pauvres CRS ici, on ne sait pas pourquoi, ils les laissent en plein milieu, ils doivent faire une ligne, ils ne doivent pas laisser passer les gens, et eux, ils ne savent pas pourquoi, et ça n'a aucun intérêt, et voilà. La preuve qu'il y a 2-3 chefs qui sont pas réveillés. Et le pire, c'est que les mecs, ils continuent à bloquer, tout simplement. Bon. Et voilà. Ok. Ta mère! Il y en a un qui vient de me dire ta mère. Mais ils sont sérieux. Le mec m'a dit ta mère. Bah ouais, où? Pourquoi tu me dis ta mère, enfoiré? Tu connais ma mère? Eh, hey, non, il m'a dit ta mère. C'est un ouf. Non, non. Ouais.
C'est en train d'embarquer des innocents, les gars. Ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va là. Tranquille. Pas trop d'embrouilles avec les CRS? Non, moi j'ai pas eu de problème. Je viens de Montmartre, ça se passait très bien là-bas. Je fais un petit passage avant de rentrer. C'est pacifique, je trouve. Et là, vous surveillez ce qui se passe sur Internet? Bah, je regarde un petit peu là. Ouais. Vous êtes avec des BFM? BFM, LCI ou CNews, je navigue. Et c'était un bon samedi? Très bon, ouais. Très pacifique, des bonnes discussions. Il y avait Frédéric Lordon, François Boulot, enfin plein d'autres gens là-bas à Montmartre. On a parlé de démocratie, comment l'instaurer. Voilà. L'Algérie aussi, on a parlé de l'Algérie. Et bien samedi prochain alors. Ouais, j'espère que ce sera pacifique encore et puis qu'on s'organise. Voilà. Vive la République. Vive la République, faire des. Participer aux élections mais de façon démocratique. Voilà. C'est incroyable, hein. Bah oui, viens. C'est la guerre. Tous les jours sur